La bouteille, elle fait ma tête. Il est 23h20 pour votre information. Il fait 40 degrés actuellement, donc je meurs avec la lumière. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Il y a 2 semaines, je vous avais fait une vidéo concernant mes soldes, donc j'ai pu vous présenter pas mal de choses que j'ai achetées. Et j'avais vraiment envie de refaire une vidéo avec vous, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez acheté récemment pendant les soldes, et notamment quel a été votre meilleur achat soldé. Vous avez été nombreux à répondre à ma story Insta, malheureusement je peux pas prendre tout le monde, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, mais pour les autres, vous pourrez passer dans une prochaine vidéo. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais essayer de pas trop traîner sur chaque personne et tout. Donc la première personne, c'est Simon.grs qui me dit: salut, c'est pour la vidéo des soldes, j'ai chopé une PC 1000 pour 45€. Du coup c'est une PC 1000 orange. Celle que j'avais. Oui, il a pas dû la cop. Mais je sais que les PC 1000 pendant les soldes, elles sont vraiment pas chères, il y en a un peu partout. Sur Nike, ils ont souvent des codes promo aussi en plus sur les soldes, donc vraiment ça revient pas cher du tout. Bah écoute, très bonne trouvaille, moi j'adore les PC 1000. Et franchement 45€ c'est rien pour ce que c'est quoi, enfin du coup tu peux grave te faire plaisir, c'est grave stylé, donc très bon achat. Après on a Clem is Bob qui nous dit: salut, j'ai trouvé une petite pépite Air Max 90 OG Blue pour 65€ en solde pour courir vers chez moi, et franchement j'en suis super fière, sinon continue ce que tu fais, tu gères. Déjà merci, c'est super gentil. Et ensuite pour ta petite trouvaille, franchement grave propre, 65€ c'est vraiment pas cher pour une 90, surtout que c'était au courir vers chez lui, du coup je pense qu'il est un peu allé au hasard et il a trouvé ça, donc vraiment trop bien, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup. Les 90 pareil, j'aime beaucoup. Après il y a beaucoup de débats avec les nouvelles Air Max 90, les toutes colorées là, vers là, là il y en a, dont celle-ci, comme quoi la qualité elle serait pas ouf, etc, etc. Bah dites-moi votre avis en commentaire, mais perso bah j'en ai pas du coup, mais Max il en a 4 et elles sont vraiment nickel, donc voilà. Moi j'aime beaucoup, après c'est pas vraiment mon style, enfin j'avais déjà essayé, je trouve que ça me va pas, c'est pour ça que j'en ai pas racheté, mais je les trouve trop belles, surtout les violettes, donc vraiment trop cool. Ensuite on a nas.blh, donc elle me dit: coucou, alors pour le bon plan, il s'agit de cette Adidas originale super courte qui passe à 35€ sur le site courir. Du coup elle passe à 35€ au lieu de 70€, donc vraiment trop bonne promo. 35€, c'est le prix d'un jean là, c'est rien vraiment. Et en plus bah, c'est une paire blanche, c'est basique, ça va avec tout. Ça change de, voilà, la plupart du temps on voit des Air Force en blanc et tout, là ça change un peu. Et en plus c'est beaucoup moins cher parce que les Air Force sont pas soldés. Après c'est une taille enfant, donc je pense que pour les adultes c'est un petit peu plus cher, mais je pense que ça doit quand même rester vachement abordable. Et là franchement parfait, genre courir, ils ont fait des bêtes de promo, donc vraiment ça passe hyper bien. Ensuite on a Lucasquette qui me dit: le meilleur article acheté pendant les soldes à gauche, sinon à droite petit pantalon. Ah, j'ai compris. Donc en gros c'est la Air Max One Hunter Green, donc je vous mettrai la photo. Donc ça bah, c'était pas en solde vu que c'est une... bon, ça vient de sortir quoi, mais comme c'était pendant les soldes il m'a montré quoi. Max il l'a aussi acheté il y a 2 semaines là. Franchement je la trouve vraiment très jolie, j'aime beaucoup la couleur. Sinon il a dit à droite ce petit pantalon Kendo X Adam Scott Uniqlo à 10€, le 2 40€, ultra confort et tout fin. Du coup bah je vous mettrai aussi la photo et la petite vidéo qui va avec. Uniqlo, je vous avais déjà dit dans ma vidéo, ils font vraiment des bêtes de promo. 10€ au lieu de 40 c'est trop ouf. Et voilà, ça a l'air d'être un pant bien stylé, assez simple tu vois, genre qui va avec tout. En plus dans la vidéo c'est assez marrant parce qu'il montre une partie de sa chambre, enfin son rangement sneakers et tout. Ça me fait rebondir sur ça, si jamais ça vous plairait une vidéo où vous m'envoyez votre déco, votre rangement sneakers, quelque chose dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir, parce que je sais qu'à chaque fois on me demande d'où viennent mes cadres, etc, etc. Du coup je pense qu'il y a des gens qui ont des décos sympas, ça peut donner des idées à d'autres et tout, donc voilà. Ben écoute, très bon achat de solde, vraiment très bonne promo. Donc ensuite on a Eva qui me dit: coucou haha go, hier je suis allée à H&M en sachant que je hais cette marque, moi aussi j'aime pas trop, je trouve jamais rien. Elle m'a dit qu'elle a quand même trouvé un air chic à 1€ seulement au lieu de 15€. C'est quoi un air chic? Je suppose que c'est le haut, non? Je vous mettrai la photo, je pense que c'est le haut parce que genre air chic, bah je sais pas, pour moi c'était pour les cheveux, mais du coup je pense pas. Je trouve que c'est sympa, ça fait classe et tout. Franchement pour 1€, même moi je l'aurais acheté. Voilà. C'est rien, c'est donné, donc vraiment go. Comme quoi il faut aller chercher H&M des fois. Ensuite on a Sauce Barbecue qui me dit: voilà mon meilleur achat solde, c'est un jogging Nike X Atmos que j'ai eu à 40€ au lieu de 80€. Alors du coup la photo il s'est pas portée, donc je sais pas si ça va bien rendre, au pire j'essaierai de chercher une photo portée. Alors en gros Max me dit que c'est le jogging qui va avec la paire qu'il m'avait déjà envoyé, en fait il avait déjà participé à mes vidéos. Bref,
ça va avec. Il est rose, je sais pas trop quelle forme il a, mais il a l'air sympa, la matière aussi. Ouais, il est stylé, ça pète et tout, franchement, voilà, faut oser, mais ça peut vraiment bien rendre. Mais est-ce que je mettrais... Bon, 80, c'est sûr que non, mais après 40, franchement, ça va. Vraiment grave cool que ça a été soldé à moins 50, parce que, enfin, tu réfléchis, tu vois, alors que 40, ça passe mieux, quoi, parce que du rose, t'en mets pas tous les jours. Plutôt sympa, je trouve que c'est vachement stylé, ça change de ouf, et comme dit, ça ira bien avec sa paire, donc... Trop bien. Merci Sauce Barbecue, tu es toujours présent, je... C'est le boss. Ensuite, on a Thibaut Gandolf. Pareil, il participe vraiment souvent aussi. Alors, il m'a pas précisé nanana et tout, ce qu'il avait acheté, à combien et tout. Il m'a juste tout envoyé. Mais c'est rien en solde, je suis sûre. C'est des trucs comme ça, Stacy et tout. Thibaut, espèce de tricheur. Arrête. Je vous mets la photo et je vais essayer de vous dire un peu ce qu'il y a sur cette photo. Déjà, il y a un t-shirt suprême. Ça, je pense pas que c'est en solde. Ensuite, il y a la collab Nike Stacy. Ça vient de sortir. Pas en solde non plus. Donc, il y a le Bob. Mais la paire, quoi. Ensuite, j'aime pas la paire, mais le Bob il aime bien. Ensuite la paire d'Air Force normalement elle est sold out, donc je sais pas, c'est pas solde. Ensuite le short normalement on peut le trouver en solde, donc j'espère qu'il la cope en solde quand même. C'est un short Nike, j'ai le même en noir, c'est un truc un peu vous savez de bain. D'ailleurs on l'avait pas montré dans la vidéo, mais Max s'est pris un short qui était grave bien soldé, je voulais quand même vous le montrer parce que je l'aime beaucoup, mais il n'y a plus ma taille. Mais du coup c'est aussi un Nike de la même matière que celui-là de Thibaut là. Il est noir et blanc, genre en mode zèbre comme ça. Avec le Nike rouge, bref, il est trop sympa, lui je l'aimais trop. Du coup il est à 16€ au lieu de 40 sur Foot District si jamais. Je crois qu'il n'y a plus en noir, mais il y a d'autres couleurs. Je voulais vous partager ce petit bon plan en passant. Ensuite on a Mesquita Dos Santos. Je t'envoie l'article que j'ai pris en solde pour ta vidéo. J'ai pas encore reçu, donc je t'envoie juste le screen. Donc du coup David s'est pris un petit sac Jacquemus sur Sense. Je vous laisse admirer parce que je sais pas décrire les sacs. Mais en tout cas très très bonne promo, 62% de promotion. Au lieu de 325€, il était à 123. C'est pas cher en fait. Moi je pensais pas que les trucs Jacquemus ils étaient soldés. Par contre Jacquemus c'est pas un peu surcoté pour ce que c'est? Si, un peu. Moi je connais pas hein, mais... Tout le monde parlait de Jacquemus, oui. Jacquemus comme si il avait inventé un dinguerie. C'est les chipitos. C'est quoi? T'as jamais vu les petits sacs? Tu peux rien rentrer dedans, mais ils sont stylés. C'est à la mode. Ils sont stylés. Je sais pas, c'est à la mode. Mais du coup, 123€, je trouve que quand même pour un sac, ça va, c'est raisonnable, tu vois, parce que. Mais ça va! C'est un sac, c'est une sacoche. C'est beaucoup mieux que. C'est là. J'ai quand même payé 60€ mon truc, hein, pour du plastique. Ah. Non, franchement, 123€, ça reste cher, mais c'est beaucoup mieux que 325. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si vraiment c'est ton kiff, les sacs, vraiment tu kiffes et tout, ben c'est grave bien. Genre, t'attends les soldes et puis tu payes largement cher et tu peux te faire plaisir, quoi. Je trouve qu'il change, il est stylé que les tipitos là qu'on voit partout. J'aimerais bien voir comment tu portes. Bref, en conclusion, David, très bon achat, très bonne promo. Je pense que ça peut bien rendre, ça peut être sympa et tu t'es fait plaisir et c'est tout ce qui compte. Et ensuite, le dernier que j'ai sélectionné, c'est Théo.dr. Il m'a fait une belle présentation de son achat. Alors il m'a dit: salut Eva, j'étais à Paris pendant 2 semaines et je suis passée aux galeries Lafayette du boulevard Haussmann. Je vois déjà des articles à 70%, ce pull de la marque Vêtements notamment. J'avais 235€ sur moi et je vois qu'avec les 70%, il tombe à 265€. Puis c'était une de ces belles journées où il y avait les ventes flash et ça fait que pendant une heure, il y avait moins 50% en plus sur une sélection d'articles soldés. Il était 11h15 et les ventes flash démarraient seulement à 12h30. Le problème, c'est que je devais repartir en train en début d'après-midi. La veille, j'avais acheté un Off-White à moins 50%, donc 125€ au lieu de 250€. Le manager de l'étage où était la boutique Off-White et le pull m'avait encaissé la veille et le lendemain j'ai été le voir en lui expliquant que je devais repartir en train en début d'après-midi. Le truc c'est que les vendeuses ne voulaient absolument pas faire d'efforts pour avancer les ventes flash et finalement il lâche aux vendeuses qui voulaient rien faire un allez faites lui. C'était un cas exceptionnel et du coup j'ai eu ce pull à accroche-toi bien 133,50€ au lieu de 890€ au départ. Donc merci beaucoup Théo, t'es super gentil, ton histoire m'a fait chaud au cœur. Elle est grave sympa ton histoire, t'as eu trop de chance vraiment. Ouais, on finit vraiment sur le chapeau de roue. C'est le meilleur bon plan là, le meilleur truc qui pouvait t'arriver. Genre vraiment c'est trop trop bien. Du coup t'avais acheté un t-shirt Off-White à moins 50%, donc déjà c'est bénef. Là ce petit pull, donc je vous mets la petite photo ici. 133€, c'est les limites le prix d'un suite d'une marque un peu plus abordable quoi. Bref, c'était trop drôle comme histoire. Ça me fait trop plaisir de lire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolée de ne pas avoir pris tout le monde encore une fois, mais je pense qu'on a eu assez d'expériences différentes avec toutes les personnes qui sont passées. Et puis je peux pas prendre tout le monde, ça va être vraiment long. N'oubliez pas comme d'habitude de me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo et si vous voulez que je m'en refasse sur un autre sujet, comme je vous avais dit par exemple me présenter votre décoration, votre rangement, sneakers, etc. Moi j'adore faire des vidéos où j'interagis avec vous. Ouais, on partage des choses ensemble, je trouve ça trop trop cool. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air.
derrière. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Activez la cloche aussi pour être notifié quand je sors une vidéo, donc tous les dimanches. Et puis, suivez-moi sur Insta si vous voulez participer aux prochaines éditions de ce genre de vidéos, si ça vous plaît bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.